Et on termine avec Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Mister Ronaldo. Ronaldo. Non, tu as mieux qu'à ton. Una bescarada. Je sens que tu aimes les films de bonne là. J'ai été bonne. Termine. J'ai été bonne. Et je suis très bonne. Moi, tu me vois comme ça. Je suis bonne. Pardon. Faut demander à tous mes gars. Merci beaucoup. Alors, Cristiano Ronaldo, hein, qui a lancé un challenge, puisqu'ils n'ont que ça à faire. Ils sont confinés. Hein. Donc, c'est bon, on les voit. Ils font la balançoire avec les enfants. Oh, ils jouent, ils sont dans la piscine avec les enfants. Oh, ils s'en foutent. Bon, en tout cas, ils ne passent leur journée qu'à faire des challenges. Si c'est pas jongler avec papier toilette, oh, c'est quoi. Lui, il a lancé son challenge. Eh bien, c'est un challenge qui lui ressemble, hein, puisque c'est un challenge d'abdos, des abdominaux. Ouais. Parce que ça, lui, on sait que chaque jour, là, il fait au moins 1000 abdos par jour. Ouais. Donc, il a pour lancé... Israël, à Goulet. Isaac. Yao Denis. Guy Michel. Yao Denis. Moi, j'ai Yao Denis. Je te dis que le chocolat, il reste un peu, il reste non, un peu. Non, la pâte est déjà là. Il est juste à l'entretenir et ça devient tablette. Bon, merci beaucoup. Mais même innocent, il est mince, mais il n'a pas abdos. Bon, pardonnez, s'il vous plaît. Donc, le but hein, du challenge d'abdos, non, c'est ça. Oh, je vais quitter ici, hein. Tu connais le ventre en Sanuma. Sanuma, yo, yo. Vas-y, oh, il est terrible. Termine. Donc, le but du challenge hein, lancé par Ronaldo, en fait, c'est d'effectuer le maximum d'abdos, on appelle ça des crunchs, oui. Hein, en 45 secondes. C'est ça. Donc lui, il a réussi à en faire 142. Yeah. 142 abdos en 45 secondes. Mais il ne cherche pas femme forte, c'est normal. Nos garçons qui sont ici, là. Donc, tous ces camarades là, on vous attend. Pardon. Donc tous ces camarades ont essayé, les Matuidi ont essayé, les quoi. Il y a personne qui a réussi à le battre, sauf. Sauf qui? À votre avis, qui a pu battre Cristiano Ronaldo dans les abdos? Pas Léo Messi. Attends. Non. Messi, non. Attends. Non. Pas le nain. Moi, il papa, mais il veut pas les voir les yeux. Non, toi, tu as déjà la réponse sous les yeux. Yeah. On sait pas? Bon. Eh ben. Son fils, peut-être. Non, absolument pas. Et ce n'est même pas un homme, c'est une femme qui a battu Cristiano Ronaldo. Muriel Aouré. Jamais. Pas du tout. Pardon. Mais c'est dans la même lignée que Muriel Aouré. Puisque c'est une athlète qui fait de l'athlétisme. Hein. Mmh. Et la sud-africaine Caster Semenya. La gros garçon là. On dit que c'est garçon, on dit que c'est femme. On dit un garçon. Voilà, elle va donner maintenant occasion aux gens qui ont dit elle est garçon. Tu es venu dépasser le gars. Alors, Cristiano Ronaldo en a fait 142. Et bien, Caster Semenya, elle en a fait 176. Oh soit 34. Oh 34 abdos de plus que Cristiano Ronaldo. Bon, ça, c'est pas fait pour arranger son cas, hein, parce qu'après, on va dire que c'est voilà. C'est ça, aussi, c'est ça. Toi aussi. C'est la Caster, partie, là. Faut rester à ta place un peu. C'est la partie, là. Hein, fallait au moins faire 140, 141, on allait t'applaudir déjà. Non, mais moi, je suis fier. Les hommes, ils pensent que quoi? Les hommes, ils pensent que quoi? Si on place Isaac, si on place Tia, il va prendre drap. Non, mais elle a l'avantage pour ceux qui font cet exercice-là. moins vous êtes lourd, mieux c'est. Hein, parce que c'est votre corps que vous transportez du haut vers le bas. Donc, moins vous êtes lourd, mieux c'est. Voilà. Mm. Donc, on va refermer.